L'écho de chez ma mère. Du coup, on a changé les chaises. C'est un modèle que je voulais vraiment pour chez ma mère parce que ça va super bien avec sa décoration. C'est top déjà à la base ses couleurs, donc les chaises sont juste parfaites. On a refait une collab avec Istanbul Meubles. Vous vous souvenez, il m'avait fait ma chambre à l'époque déjà il y a 3 ans quand j'étais enceinte de Kenan avec le lit pour bébé. Et du coup, bah, pareil, on a un petit peu peaufiné le salon. Regardez-moi ce gros fauteuil aussi. La qualité déjà, elle est exceptionnelle, tant au niveau de la matière qu'au niveau du confort de l'assise. C'est vraiment du très 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 costaud. Bon, vous avez Kenan à l'arrière en fond sonore. Du coup, on l'a mis ici. Et du coup, si on a choisi ces chaises-là aussi, en dehors du fait que le modèle soit canon, c'est parce que le tissu est anti-tache. Et vu que ma mère, bah, c'est une grand-mère maintenant et que les petits, forcément, ils mettent les mains partout, c'est super super pratique. Voilà. Donc, c'est des pieds qui sont en acier. Vous les avez en doré aussi, si vous préférez. La couleur, c'est moi qui l'ai choisie. Parmi un pal de coloris, j'ai préféré choisir ça puisque ça va avec les tons de chez ma mère. Mais vous avez d'autres modèles. Ça, si vous vous rappelez aussi, ça vient de chez Istanbul Meubles, pareil. Ma mère a voulu le mettre ici. Ça aussi, pareil là-bas. Istanbul Meubles. Et en fait, bon, elle aime trop tout ce qui est un petit peu capitonné aussi, etc. Donc, ben, on les a placés un peu là. Par ici. Et les chaises, voilà, qui habillent super, super bien. Avec ce pouf là, surtout. Ce fauteuil, il est juste magnifique. Chambre d'amis, qui est un peu ma chambre aussi, la chambre de mes frères et sœurs. Si quelqu'un a besoin de venir chez ma mère, il aura sa chambre comme nous. Et surtout le nouveau lit, s'il vous plaît. C'est pas une merveille ce lit. C'est simple, quand il me l'a envoyé, j'ai craqué, j'ai dit oui, je veux absolument ce lit-là. Autant déjà au niveau des coloris, c'est totalement mon style, mais ça fait très minimaliste aussi. Il est trop trop beau, il est en laine. La matière, c'est de la laine. Super confortable, le matelas vient de chez eux aussi, enfin, la totale. Donc hyper hyper confortable, très très beau. La chambre manque un petit peu de décoration, je vous l'accorde, mais je vais m'y mettre. On va ajouter pas mal de cadres, de petits objets de décoration. Mais en dehors de la déco, juste ce lit déjà, il est sublimissime. Je vais mettre un petit tapis là. Et franchement, c'est plus que parfait. Et si ce modèle vous plaît, vous le retrouvez évidemment chez Istanbul Meubles. Voilà, moi le mien vient de chez eux. Comme mon précédent lit d'ailleurs que j'avais à l'époque où je vivais en France. Mais alors là, pour le coup, c'est une pépite. Amener les enfants jouer un peu au parc. Ça y est, Gigi, c'est une grande. Hein. Avant, c'était côté pelouse pour elle. Maintenant, elle s'amuse. Son frère, il fait carnage. Tu vas faire le toboggan? Hein, mon fils? Allez, montre-nous. Montre au tata comment tu sais traverser. Non, gentiment, s'il te plaît. Du coup, j'ai fait des petits pois carottes avec du poulet. Voilà, ça pour les enfants, c'est super super bon. Donc, ce sera le repas de midi. Et moi, écoutez, je me suis fait des petits toasts chèvre. Alors, c'est du kabekou fondu, vous savez, des palets de chèvre très crémeux et du miel. Tout simple, ça va aller au four et ça, c'est trop bon. Bien arrivé à ce goûter de famille. Regardez, il y a plein de choses à manger. Mais sachez que l'un des trucs que je préfère le plus, c'est la tamena de ma grand-mère. Ça, pour moi, c'est l'un des meilleurs trucs, même pâtisserie, je sais pas si c'est une pâtisserie ou un dessert, orienté. Ouais, semoule date et beurre, c'est trop, trop, trop bon. Trop bon.